they have to face two of the most difficult climbs that any rider can face in this Tour of France. This climb, it gains its first victim. But now, I think I'm suffering too much. Pogacar wins the stage. It's Pogacar's last chance to really get serious time. He needs to get closer if he wants to get the jersey on the time trial. Did you ask the question, could Roglic win the Tour? There's your answer. Roglic wins the stage. Now we get ready to see what happens with the contenders. So I think it's going to be an exciting stage, probably the best stage of the Tour de France. You're going to give everything you can to try and win the Tour de France? Yeah, that's the plan. I mean, is it the kind of stage that scares a rider, even a rider like you? 100%. I mean, it's a stage that you want behind you. Deux cols hors catégorie aujourd'hui sur cette 17e étape au départ de Grenoble. 170 km de parcours avant de gravir la Madeleine et le col de la Lose, près de 40 km d'ascension sur la deuxième partie de l'étape. Réel, attention. I think like a queen stage definitely of this year. Hopefully I will have the legs and definitely we will do our best. Départ réel donné à 12h30. Après quelques tentatives, la bonne échappée part au bout d'une trentaine de kilomètres aujourd'hui avec les protagonistes de la veille, Lennart Kemna, vainqueur à Villard-de-Lans, mais aussi Richard Carapaz, deuxième de cette étape, ou encore Julien Lafilippe. Avec eux, on retrouve Gorka Izagirre et Dan Martin, des coureurs réputés bons grimpeurs, mais le peloton ne leur laissera jamais plus de 6 minutes 30. Au pied du col de la Madeleine, les Bahrain McLaren de Mikel Landa ont pris l'allure du peloton en main et l'écart diminue rapidement. Lennart Kemna est en difficulté. Julian Alaphilippe onto the terrain that he does best, onto the descent. Dans le peloton, on relâche la pression dans la longue descente de la Madeleine qui doit conduire au pied du col de la Lose. Julian Alaphilippe lui prend des risques et emmène avec lui Carapaz et Izagirre. L'écart remonte au-dessus de 2 minutes, seul Dan Martin n'a pas pu suivre. L'ascension finale vers Méribel et vers le col de la Lose. Dans le col de la Lose, le peloton grappille petit à petit du temps sur l'échappée. À moins de 13 km de l'arrivée, l'écart est passé sous la minute. Richard Carapaz accélère, Julian Alaphilippe lui craque. Malheureusement, le Français vient de perdre le contact. Carapaz, il tente Izagirre. Carapaz résiste tout au long de cette ascension. La bagarre n'a pas encore démarré derrière lui. Mikel Landa est en difficulté. C'est Rigoberto Urán, le coureur de l'IF. Carapaz repris par le groupe maillot jaune. L'américain Kus de la Jumbo-Visma va être le premier à allumer la mèche avec dans sa roue Superman Lopez. Le Colombien d'Astana, déjà en jambière, tente de nouveau sa chance en solitaire. Lopez qui fait la différence maintenant. Et Lopez parti peut-être pour remporter cette étape. Il reste 2 km 400 et ils vont être longs, ces 2 km. Pogacar a de longueur de retard pour Pogacar. Ouais, ça devient dur pour le jeune Slovène. Oui. Primoz Roglic qui est peut-être en train de faire le plus dur aujourd'hui. Et de s'assurer la victoire finale dans ce Tour de France, même si Pogacar n'est pas loin. La victoire de Miguel Angel Lopez, à jamais le premier. Est-ce que Pogacar va pouvoir doubler Roglic avant la ligne et prendre quelques secondes de bonification? Il est au bout Pogacar. Et l'arrivée de Primoz Roglic, qui va faire une excellente opération bien sûr, et qui prouve qu'il est bien l'homme fort de ce Tour de France. Allez, on suit l'arrivée de Tadej Pogacar. Il a craqué sur la fin. 16 secondes à Primoz Roglic. Gagner une première étape sur votre premier Tour de France. Oui, je suis vraiment heureux. Je me sens ému parce qu'on a travaillé très très dur. Ça n'a pas toujours été facile d'en arriver là, mais c'est un vrai moment d'émotion. C'est un jour spécial, non? Très spécial. Oui, honnêtement, j'ai travaillé dur à la maison avec toute ma famille, avec ma femme et mon fils.
et ça n'a pas toujours été facile. Lopez, déjà en vue dans l'arrivée de Villard de Lans, réédite une superbe performance en décrochant l'étape reine de ce Tour 2020 et en devenant le premier vainqueur au col de la Lauze. Il prend 15 secondes à Roglic et 30 à Pogacar. Au général, Roglic accentue son avance sur Pogacar, 57 secondes séparent désormais les deux coureurs slovènes. Changement notable sur le podium avec l'apparition de Lopez qui possède maintenant près d'une minute 40 sur Richie Porte, l'Australien, qui lui remonte à la quatrième place. Demain, dernière explication dans les Alpes avec une arrivée à La Roche-sur-Foron après l'ascension du col des Glières.